L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète, des églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'Évangile éterne et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je vous salue dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons une édition du programme de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Un programme, comme vous savez, il est préparé spécialement et avec tout le soin pour vous et pour toute votre famille. La Bible, c'est la parole de Dieu. Cette expression définit bien la valeur des Écritures sacrées afin que l'homme puisse comprendre la volonté et le projet de Dieu pour sa vie. Mais il y a deux manières différentes, complémentaires, d'avoir tout le mystère que la parole de Dieu nous révèle, comme parole de la vie et parole vivante. Aujourd'hui, dans le tableau Leçon du Manaïm, avec les pasteurs Daniel Moreira et Sérgio Souza, vous allez comprendre un peu mieux la signification de ces deux expressions. Juste après, dans le volet accessibilité, vous allez comprendre la portée des actions d'accessibilité avec la docteure Marina Amin et la professeure Janaína Zumag va enseigner aujourd'hui comment préparer un tambour avec des matériaux simples que nous avons dans nos maisons. Dans l'étude des enfants intermédiaires et adolescents, la professeure Letícia Lírio va nous parler sur l'offrande d'Abel, un acte de foi. Regardez maintenant le volet Leçon du Manaïm. Voici le volet Leçon du Manaïm. Que Dieu bénisse à tous avec, dans la paix du Seigneur Jésus. Pasteur Sérgio, la paix du Seigneur. Pasteur Daniel, la paix du Seigneur à tous. C'est une satisfaction de compter avec votre importante audience. Nous avons reçu des divers messages avec des témoignages et commentaires sur la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Et vous aussi, vous pouvez participer. Comme vous voyez à l'écran, un QR code, il suffit d'approcher la caméra de votre smartphone, de ce QR code, et vous allez être redirigé vers un numéro WhatsApp, à travers lequel vous pouvez nous envoyer un message. Participez. Envoyez votre message, votre témoignage, votre expérience. Nous avons reçu son lu et porte une grande importance pour nous. Nous avons cité quelques-unes ici. La première vient du Canada, de la ville d'Ottawa. Un diacre de notre église là-bas, Guilherme Monteiro, qui ainsi nous a enregistré. Est fortifiant la nourriture que nous avons reçue à travers les études de la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Amen. Wanda Lopes, do Governador Valadares, Minas Gerais do Brésil, nous a écrit, en regardant la programmation la dernière semaine, le pasteur nous a apporté le texte en Jean chapitre 4, verset 50, qui dit, « Va car ton enfant est vivant ».
Je me suis rappelé que ma fille, quand elle est née, elle a dû rester à l'UTI car elle était très malade. Le docteur a dit qu'elle n'allait pas passer cette nuit-là, mais je suis allé au culte et le pasteur a prêché ce texte et j'ai cru que Jésus était en train de me parler. Je suis revenu à l'hôpital et ma fille était déjà sans aucun appareil respiratoire. Aujourd'hui, elle a 16 ans et est musicien à la maison du Seigneur. Gloire à Dieu, quelle merveille, c'est la parole vivante qui agit. Nous avons laissé une question. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre vie depuis le jour où vous avez accepté Jésus? Rita do Cássia Moura Passos, do Bahia, la capitale, Salvador, nous a répondu. J'ai marché dans la lumière et vivre une vie de grandes expériences avec le Saint-Esprit. J'ai commencé à faire partie de l'Église fidèle, laquelle Jésus viendra chercher pour habiter éternellement avec lui. André Lucas Sergio. 8 ans, quelle merveille, de la ville de Serra, Espírito Santo, sont les enfants adolescents qui sont toujours avec nous. Il y a une grande participation. Il nous a écrit, « Depuis le jour où j'ai accepté Jésus comme sauveur, j'ai passé à avoir une expérience sous le retour de Jésus et des visions. Il me garde de tout mal. Amen. » Rachel Mel de Fortaleza, Ceará. En Jésus, je retrouvais le meilleur ami et conseiller. Il est bien vrai, elle continue, que les luttes et persécutions ne s'arrêtent pas. Mais nous avons refuge, un endroit sûr pour aller dans les moments les plus difficiles, qui est au pied du Sauveur. Dalila d'Oliveira Barreto, Assis, de la ville de Mario Campos, Minas Gerais, nous a écrit. Grâce à Dieu, j'ai eu l'opportunité de naître dans un foyer évangélique. Et aux 9 ans d'âge, j'ai accepté le Seigneur Jésus comme mon seul sauveur. Depuis ce jour, ma vie est dans les mains du Seigneur. Et aujourd'hui, j'ai 32 ans. Je remercie à Dieu pour l'opportunité d'élever mes filles dans cette œuvre merveilleuse. Nous remercions la participation de tous qui nous ont envoyé leurs commentaires. Aujourd'hui, nous allons continuer la thématique Parole de la vie, parole vivante. En commençant avec la lecture du texte biblique qui se trouve en Jean chapitre 1, verset 1, qui dit « Au début était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. » Voici Daniel, c'est le verset qui ouvre l'évangile de Jean. Et Jean parle d'un principe qui est ici dans le verset. Il n'est pas possible d'être compris dans le plan du raisonnement humain, c'est-à-dire, il n'a pas... Comment comprendre ce principe par le raisonnement, par des discours ou par des concepts? Même pourquoi, Sergio? Toutes les choses qui sont liées à la raison de l'homme, à son intellect, sont relatives, c'est-à-dire, elles ont un début et une fin. Exactement. Mais ici, dans le texte présenté, l'apôtre Jean, il fait référence à un principe qui est absolu, qui fait référence à l'éternité de Dieu. Et dans l'éternité de Dieu, observez, il n'a pas passé ni présent au futur, parce que là, le temps ne tourne pas. Gloire à Dieu. Il y a un point qui est vital de souligner. Dans ce début absolu, lié donc à l'éternité de Dieu, nous retrouvons quoi? Le Verbe. Le Verbe, comme montré dans ce texte de Jean, chapitre 1, verset 1, en étant essentiel d'expliquer que ce mot Verbe, qui dans l'original est grec, c'est logos, a pour les philosophes une signification de la raison qui domine l'univers. Mais aucun philosophe a réussi à définir
quelle est cette raison qui domine l'univers? En vérité, on n'a pas découvert quel était ce mystère qui était caché depuis l'éternité. Mais nous allons montrer qu'est venu donc l'évangile de Jean, que nous avons lu, qui s'est ouvert pour montrer le grand mystère. Quel mystère? Le mystère qui était caché, qui est le Seigneur Jésus, le Verbe de Dieu. Par l'action du Verbe de Dieu, observez, par l'action du Verbe de Dieu, toutes les choses ont été créées, comme il est enregistré en Jean, chapitre 1, verset 3. Toutes les choses ont été faites par lui, et sans lui, rien de ce qui a été fait se fait, sans Jésus. Mais Daniel et tous qui nous regardent, Dieu, il n'a pas seulement créé toutes choses, non. Il a créé, la parole nous dit, et les maintient toutes les choses par la parole de son pouvoir. Amen. Et comme tu viens de citer, c'est exactement par le moyen du Verbe que Dieu maintient toutes choses. Et nous pouvons lire le texte biblique qui se trouve dans la lettre aux Hébreux, chapitre 1er, la partie initiale du verset 3, qui nous dit, lequel, en étant le resplendeur de sa gloire, il exprime et l'image expresse de sa personne, et en soutenant toutes les choses par la parole de son pouvoir. C'est-à-dire, tout est soutenu par le Verbe, tout, qui est Jésus. Dieu le Père, c'est Jésus, et c'est lui qui met, qui rend disponible, défini, et instruit, et modifie toutes choses, et a le pouvoir pour réaliser le vouloir et l'effectuer dans la vie de l'homme selon sa bonne volonté. Comme nous voyons, comme c'est enregistré dans la parole de Dieu, dans la lettre aux Philippiens, voici chapitre 2, verset 13. Car Dieu est celui qui opère en vous, si bien le vouloir comme l'effectuer selon sa bonne volonté. Alléluia. Il est très important ces jours. Le fait que Paul ait écrit par révélation de Dieu à propos de vouloir et l'exécuter de Dieu, exactement à l'église, dans la ville des Philippiens, une fois que l'œuvre de Dieu dans cette ville a été très marquante, c'est-à-dire Dieu a effectué avec grand pouvoir son vouloir dans cette ville. Et en vérité, nous voyons dans la Bible, dans le livre de Actes, que l'allée de Paul à Philippe s'est donnée dans son deuxième voyage missionnaire, comme on voit ici le trajet de ce deuxième voyage. Il est sorti d'ici, en Turquie, il a visité les églises dans tous ces endroits, comme nous avons cité la ville de Philippe, qui avant se trouvait dans la région de Macédoine. Actuellement, elle se trouve en Grèce. Selon faire ce voyage, voir quelques images qui ont montré. Regardez les ruines du temps de l'apôtre Paul qui sont là. Ça a été dans cette ville que Dieu a opéré de manière merveilleuse le salut du geôlier. Voici l'image d'une arène. La grâce de Dieu s'est manifestée de manière puissante dans la ville de Philippe. Quelle merveille! Le vouloir, il est effectué de Dieu parce que ce voyage a été une manifestation de plus des trésors de la grâce de Dieu aux frères des villes qui étaient déjà visités dans ce deuxième voyage. Accompagné de Silas, Paul est allé dans des endroits où il avait déjà annoncé précédemment la parole de Dieu afin de voir comment les églises allaient. Paul et Silas sont arrivés à Philippe. Comme nous avons montré,
par une révélation de Dieu. Et ils ont commencé à prier à côté d'un fleuve en utilisant les ressources de la grâce pour la réalisation de l'œuvre de Dieu. Et cela s'est passé dans une période, dans une veillée, un moment de prière à côté du fleuve, que quelques personnes qui étaient à cet endroit, et Paul et Silas ont commencé à annoncer le salut par la foi en Jésus par ces gens. C'est quand il y a eu la conversion d'une femme, une vendeuse appelée Lydia. Elle et sa famille ont accepté le salut du Seigneur Jésus et ont été baptisés. Ensuite, Dieu a opéré une grande délivrance dans une autre femme. Et là, le message s'est éparpillé. Donc, le vouloir et la réalisation de Dieu. La parole vivante était là. Paul et Silas ont été persécutés et ont été mis en prison car ils ont prêché l'évangile dans cette ville. Et dans la prison, s'est passé un autre grand signe qui a marqué l'œuvre de Dieu à Philippe, qui a été la conversion du geôlier dans la prison où étaient Paul et Silas. Le geôlier, en voyant que Dieu a ouvert les portes de la prison pour la délivrance de Paul et Silas, ce geôlier observait. Il a été si affligé qu'il a essayé d'ôter sa propre vie, mais la grâce de Dieu s'est manifestée à sa faveur. Paul et Silas ont commencé à prêcher et lui, il n'a pas seulement vu délivrer de la mort, comme si lui et sa maison ont été touchés par le salut dans le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Donc la bonne volonté de Dieu est exprimée par le moyen de son Fils Jésus, le Verbe de Dieu, à travers lequel Dieu Père réalise toute sa volonté. Par le Verbe de Dieu, qui est Verbe de Dieu, Jésus, Logos de Dieu, Dieu donc, il fait, il effectue son projet, tel comme tu dis, Sergio, sous la proposition de Dieu. Il est important de distinguer la proposition divine dans la création et dans la rédemption. Même pourquoi, dans le projet de la création, le Verbe il était présent. Et par le moyen du Verbe, toutes les choses ont été créées. Mais observez, dans le projet de la rédemption, le Verbe Jésus, il s'est fait chair, il s'est donné pour nous afin d'accomplir la proposition de Dieu pour le salut de l'homme, comme il est écrit en Jean, chapitre 1, verset 14, qui dit, « Et le Verbe s'est fait chair, et habité entre nous, et nous avons vu sa gloire comme la gloire du Fils unique du Père, rempli de grâce et de vérité. » Le Seigneur Jésus, il est venu au monde comme un homme pour prendre nos douleurs et être blessé par nos transgressions, comme il est très bien écrit dans le livre du prophète Isaïe, au prophétisé, ce qui après s'est passé. Et cela a été la rédemption que le Verbe Jésus a ramené à l'homme à travers le sang versé, que lui il a versé à la croix du calvaire. Gloire à Jésus. À l'Ancien Testament, le pardon des péchés et l'accès à la présence de Dieu était permis à travers le sang versé par une victime dans l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes était ici dans le tabernacle, comme il est projeté ici, et était la première rencontre de l'Israélien quand il entrait dans le tabernacle, était l'autel des holocaustes. Cette construction du tabernacle et son utilisation ont été révélées par Dieu
afin que ele possa habiter avec soi. Et autour, nous voyons ici le tabernacle, autour du tabernacle, dans les espaces autour, donc les tribus d'Israël étaient campées. Vous avez déjà dit qu'en passant par cette première porte, ou le premier jeu de rideau, on voyait l'autel des holocaustes où le sang du sacrifice de la victime était versé. Par soi-même, Sajou, l'Israélien, il n'allait pas avoir le moyen d'obtenir le pardon de ses péchés et entrer dans la présence de Dieu. Mais le tabernacle, il est venu comme révélateur du projet prophétique de salut de l'homme. Dans le passé, était le sang la victime ici, mais prophétiquement, était le sang que le Seigneur Jésus allait verser à la croix. Au passé, ici dans le tabernacle, était le sang de la victime versé dans l'autel des holocaustes. Des siècles après, est venu le Seigneur Jésus qui a versé son sang à la croix. Et aujourd'hui, le sang de Jésus continue à agir pour le pardon des péchés et pour accès à la présence de Dieu. Ce qui est exactement par cette raison que l'Église fidèle, elle reconnaît la valeur, le pouvoir du sang de Jésus, qui est son Saint-Esprit, le sang de la rédemption qui nous donne à l'homme la pleine communion avec Dieu. Et la Bible, Sérgio, comme parole de la vie, elle raconte l'histoire du Verbe qui était prophétisé dans l'Ancien Testament. Le Verbe, le Seigneur Jésus, qui s'est fait chair afin de consommer tout le projet de salut de Dieu pour l'homme. Déjà, la Bible, comme parole vivante, en tant que parole vivante, elle va au-delà, car elle peut discerner les pensées et intentions de notre cœur. La Bible est apte pour discerner toutes choses, car en elle se trouve l'opération du Saint-Esprit, comme nous voyons en Hébreux, chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu, quelle chose glorieuse, est vivante et efficace, et plus pénétrante que ne porte qu'à l'épée de deux tranchants qui entre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit et des moelles et jonctions et aptes pour discerner les pensées et intentions du cœur. Donc la parole vivante, et ça c'est très glorieux, devient l'instrument du chrétien. L'instrument du chrétien pour faire quoi? Afin qu'il puisse marcher dans la présence de Dieu, puisse avoir la communion, puisse avoir le secours et puisse même prendre des décisions dans sa vie. Puisse diriger sa marche selon ce qui est la volonté de Dieu, la direction du Saint-Esprit, la révélation de Logos de Dieu, le Seigneur Jésus, observé par le moyen de la parole vivante, transforme la compréhension de l'homme, renouvelle sa vie, et le fait éprouver la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu, qui doit être souveraine dans la vie de l'homme. En vérité, Daniel, quand il est transformé par la parole vivante, l'homme, il passe à vivre non plus selon sa volonté, mais selon la volonté de Dieu, comme nous enseigne la Bible. Encore un texte en Romains, chapitre 12, verset 2, qui nous dit: ne vous associez pas avec ce monde, mais transformez-vous par le renouvellement de votre compréhension, afin que vous puissiez expérimenter la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. Jésus,
C'est le logos de Dieu. C'est le mystère que les philosophes n'ont pas pu comprendre, que les savants et sages n'ont pas réussi à discerner. Jésus est le mystère qui était caché depuis l'éternité, mais est révélé comment? Par le Saint-Esprit à tous ceux qui cherchent une bénédiction pour son cœur. Comme il est enregistré en Colossiens, chapitre 1, verset 26. Le mystère qui était caché depuis tous les siècles et en toutes les générations et que maintenant a été manifesté à ses saints. Gloire à Jésus. Ce mystère, il est maintenant manifesté d'une manière spéciale à l'Église du temps du bientôt, à l'Église qui est proche pour monter aux mansions célestes. Pour cela, ne laissez pas d'aller à la rencontre de Logos de Dieu, du Verbe vivant de Dieu qui est le Seigneur Jésus. Il veut à chaque jour se révéler à votre vie. Maranatha, le Seigneur Jésus vient. Amen. Gloire à Jésus. Ce volet, leçon de Manaïm, a son contenu produit à partir des séminaires et de l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. L'école biblique dominicale se passe tous les dimanches à 10h du matin par notre canal YouTube. Continuez à assister à la programmation en annonçant l'Évangile éternel avec les volets qui viendront dans la séquence. Nous allons laisser ici une question que vous pouvez prendre note, prendre une photo ou simplement pointer l'appareil photo de votre smartphone du code qui est montré à l'écran et la question vous sera envoyée par WhatsApp. Voici la question: comment le Verbe de Dieu a agi en votre vie? Qu'est-ce que le Verbe de Dieu a fait? Donc, je reprends. Comment le Verbe de Dieu est en train d'agir dans votre vie? Participez en envoyant votre commentaire. Ensuite, nous allons écouter une louange. Et je vous invite à participer de cette louange, à chanter avec nous, à expérimenter, à louer à Dieu. Votre âme, votre cœur seront bénis avec paix, avec le soulagement, avec ceux que vous avez besoin pour avoir une expérience avec Dieu. À tous, la paix du Seigneur Jésus. La paix du Seigneur. A todos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor.
Loué soit le nom du Seigneur. Jésus est le Verbe vivant de Dieu. Ne laissez pas d'envoyer votre participation. Interagissez avec nous. La parole de Dieu nous invite à aller dans tout le monde et prêcher l'Évangile à toute la créature. Nous convoque même. Et par rapport à ces personnes qui ont un handicap, elles aussi, elles font partie. Elles ont le droit de recevoir la bénédiction de Dieu et le salut en Christ Jésus. Regardez maintenant dans le volet accessibilité avec la docteure Maria Amin sur l'opportunité de tous, même celles qui ont un handicap quelconque, de connaître la parole de Dieu. A palavra de Deus. La paix du Seigneur. Notre sujet aujourd'hui porte sur l'abrangeance de l'accessibilité. Nous avons déjà vu dans le texte de Matthieu, chapitre 15, verset 30, le Seigneur nous parle. Il est venu le voir beaucoup de peuples qui apportaient des aveugles, muets, estropiés. Ils ont mis au pied de Jésus et il les a guéris. Nous avons déjà vu dans les programmations précédentes que l'objectif du travail d'accessibilité de l'Église chrétienne Maranatha, notre préoccupation, c'est donner accessibilité, rendre accessible l'enseignement de la parole, offrir à ses frères la même opportunité d'apprendre la parole du Seigneur. Avec cela, nous sommes en train de promouvoir l'évangélisation et en donnant l'opportunité de salut. Le salut, elle se passe par la connaissance du Seigneur Jésus. Et cette connaissance, elle vient à travers la parole. Et nous avons plusieurs handicaps à être répondus. Nous avons les handicaps visuels, intellectuels, motrices, auditifs, la déficience multiple et aussi ceux qui sont dans un problème d'autisme. Dans la déficience visuelle, nous avons ceux qui ont peu de vision ou ceux qui sont aveugles. Ils peuvent être nés avec cette difficulté ou acquis cette cécité au long de leur vie. Dans l'handicap intellectuel isolé, c'est-à-dire la personne a seulement la déficience isolée, mais elle peut être en comorbidité. Par exemple, autisme, de paralysie cérébrale ou syndrome génétique. L'intérieur des syndromes génétiques de la déficience intellectuelle, le plus commun, c'est le syndrome de Down, qui c'est la trisomie 21. Nous avons aussi la déficience motrice, qui est la paralysie cérébrale, et qui a plusieurs degrés, qui peut venir avec son déficience intellectuelle, qui peut venir avec la perte auditive ou visuelle. Dans le cas de déficience d'audition, nous avons ceux qui sont nés avec son nez sourd ou sont devenus le long de leur vie. Ça peut être unilatérale ou bilatérale, partielle ou totale. Et là, c'est la sourdité totale. Nous avons ceux qui sont sourds et aveugles, c'est un tableau spécifique où nous avons la personne est sourde et aveugle, mais avec des caractéristiques spécifiques et des besoins spécifiques. Nous avons aussi la déficience multiple, c'est une condition hétérogène. Et ce qui se passe avec une association d'handicap. Cela est une déficience multiple, avoir plus d'une déficience. Et aussi, l'espectre autiste, nous avons plusieurs degrés d'autiste. Il peut être associé à d'autres pathologies, il peut avoir venir ou avec déficience intellectuelle. Mais l'abrangeance de l'accessibilité se restreint à cela? Non. Nous avons aussi quelques personnes âgées, n'importe quel moment, la vie de la personne âgée, elle a besoin de l'accessibilité avec une lettre plus grande, un son plus fort, qu'il peut être bénéficié avec cette assistance. Personne avec des difficultés de lecture, des problèmes d'apprentissage, ou ceux qui n'ont pas été correctement alphabétisés au long de leur vie, le problème avec un retard de langage, les déficits d'attention, et les personnes avec un très intelligentes,
elles ont besoin d'un travail qui est promouvoir l'accessibilité avec un enrichissement de contenu. Et tout cela est entouré par la direction du Seigneur, par l'opération du Saint-Esprit. Donc, c'est le Seigneur qui montre tout ce qu'il veut qu'il soit fait au milieu de son Église. C'est à travers la parole, à travers l'action de l'Esprit qui révèle la parole du Seigneur pour nous, qui va se révéler à ses frères et sœurs. Et avec cela, ils vont avoir la même croissance spirituelle, les mêmes expériences avec le Seigneur. C'est cela l'objectif de l'accessibilité. Vous avez vu qu'elle est plus abrangeante que les déficiences. La paix du Seigneur Jésus. Jouer un instrument et avec lui louer le Seigneur, c'est très bon. Et beaucoup d'enfants intermédiaires et adolescents nous ont déjà prouvé, en envoyant leurs vidéos, en jouant des louanges, en apprenant des nouveaux instruments. Maintenant, construire un instrument que vous allez jouer, c'est une expérience encore meilleure. Aujourd'hui, dans le tableau Parfait Louange, la professeure Janaïne va nous enseigner à construire un tambour en utilisant des choses simples que nous tous avons dans nos maisons. La paix du Seigneur à tous. Et vous, mes bien-aimés, vous avez déjà eu le matériel mis de côté. Nous pouvons commencer, mais avant, nous passons au moment si attendu, les participations. Nous allons assister. Voici les cousins Amanda et Nicolas de Vitoria, Espírito Santo. Davi Paz Vitorino, de la Église de Mutuá, Rio de Janeiro. Davi Bernabé, Governador Valadares, Minas Gerais. Les cousins Laís, David et Mariana, Vitória de la Conquista, Bahia. Henrique e Daniel, há 6 anos, do Ponta Grossa, Paraná. David Luiz, há 8 anos, do Chapecó, Santa Catarina. Des enfants et intermédiaires de l'église de São Francisco en São Luís do Maranhão. Guilherme Militão de l'église de Vancouver, Canadá. Glória a Deus. Nós vamos começar nosso tambor. Je vous ai déjà ramené trois tailles. Dans le pot plus grand, ce tambour, il est personnalisé avec les batailles « Je suis vainqueur ». Très bon pour les enfants petits et aussi pour les enfants avec une déficience qui ont leur préférence. Vous pouvez stimuler avec les figures. J'ai ramené celui-ci qui n'utilise aucune fitte adhésive. J'ai même décoré et j'ai fait le dessin. Et le plus petit, avec un enfant plus petit, qui peut le tenir dans la main. Nous allons faire le nôtre maintenant. Notre peau est déjà nettoyée.
Nous allons faire d'abord. Nous allons passer un papier. Ça peut être un papier de cadeau autour de... Et nous allons le coller avec une colle. Maintenant, nous allons utiliser le ballon pour faire la peau du tambour. Nous allons couper à ce niveau-là, au milieu, étirer beaucoup et utiliser donc, l'élastique autour pour qu'elle ne nous lâche pas. Maintenant, nous allons besoin de l'aide des parents. Nous allons faire... Voilà. Maintenant, nous allons passer une fitte adhésive afin de tenir le, afin de bien tenir le ballon. Voilà. Maintenant, nous pouvons enlever l'élastique, car c'est déjà très, très ferme et il n'y a pas de problème d'utiliser la fitte adhésive. Après, elle va être cachée. Le premier pas, c'est mettre cette tranche-là, 50 cm de chaque côté. Nous allons la tenir avec cette fitte et après, on va mettre dans la... la décoration. Voilà. Maintenant, nous allons décorer. Je vais utiliser cette fitte adhésive que moi-même j'ai dessinée avec les notes de musique. Je vais utiliser un adhésif. Je vais passer la fitte colorée et mettre quelques adhésifs. Vous pouvez faire comme vous souhaitez. On va faire... Très bien. Voici comme il est beau. Maintenant, nous allons faire le petit bâton. La petite boule du bâton peut être faite en aluminium, papier ou papier de table. Nous allons couper le ballon pour entourer la boule. Nous allons utiliser ou le bâton de brochette ou un crayon de couleur. Regardez, celle-ci, elle est faite en crayon de couleur. Mais maintenant, je vais faire avec le bâton de brochette. Je vais utiliser le papier aluminium. Nous allons faire la petite boule.
maintenant, je vais la tenir dans le bâton avec une fitte adhésive, un ruban adhésif. Très bien. Vous pouvez aussi décorer le bâton. Nous allons entendre le son qu'il fait. Vous pouvez jouer de l'autre côté aussi. Il y a deux sons. Vous avez vu comme c'est joli? Et vous avez déjà terminé le vôtre? Si vous n'avez pas encore terminé, maintenant nous allons arrêter un petit peu pour assister avec attention à notre étude. Amen. Après, vous pouvez continuer. La paix du Seigneur à tous et à la prochaine étude. Depuis le début de l'histoire de l'homme, la parole, elle pointait déjà prophétiquement vers le Seigneur Jésus, son sacrifice à la croix du calvaire. La professeure Laetitia Lírio va nous expliquer cela aujourd'hui dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, en parlant sur l'offrande d'Abel, un acte de foi. Nous saluons à tous qui nous regardent, en spécialement les enfants intermédiaires et adolescents, dans la paix du Seigneur. Dans l'étude d'aujourd'hui, nous allons voir comment la foi vivante nous amène à avoir la volonté de Dieu pour nos vies. Et nous allons voir cela à travers l'offrande d'Abel. Pour cela, nous allons lire le texte de la parole de Dieu qui est projeté dans le diapositif. Par la foi, Abel a offert à Dieu un plus grand sacrifice que Caïn, par lequel il a eu un témoignage qui était juste, en donnant à Dieu le témoignage de ses dons, et par elle, après sa mort, parle encore. Hébreux, chapitre 11, verset 4. Abel, il était un des enfants d'Adam et Ève, et son frère appelé Caïn. Abel était un berger. Et Caïn, il était agriculteur. La parole nous raconte qu'un jour, chacun a ramené une offrande au Seigneur. Pendant que Caïn, il a offert les fruits de la terre, Abel a offert le meilleur de ses brebis. Et en regardant cela rapidement,
Il paraît que les deux offrandes sont très bonnes, n'est-ce pas? Mais ce que la Bible nous dit, c'est que Dieu, il n'a pas accepté l'offrande de Caïn et il a accepté l'offrande d'Abel. Et pourquoi cela s'est passé? Cela s'est passé parce que Abel, quand il a fait cette offrande, il s'est rappelé de ce que Dieu avait enseigné à ses parents. Vous vous rappelez qu'en Éden, quand Adam et Ève ont péché, ont désobéi la parole du Seigneur, le Seigneur a sacrifié un animal en versant sang innocent pour que la communion puisse revenir, la communion d'Adam et Ève avec lui. Abel s'est rappelé que le péché éloigne l'homme de Dieu, mais que le sang innocent approche l'homme de Dieu, apporte la communion. Et Dieu, il s'est plu de l'offrande d'Abel parce que avec cette offrande, il a touché quelque chose de merveilleux, le projet de Dieu pour le salut de l'homme. Car cette offrande pointait vers quelque chose qui se passerait plusieurs années après. L'agneau de Dieu serait mort pour libérer l'homme du péché. Et qui est l'agneau de Dieu? C'est Jésus. Comme Jean-Baptiste a annoncé quand il a vu Jésus en s'approchant, Jésus, il est venu au monde comme un homme pour mourir, verser son sang innocent, pour de cette manière pardonner nos péchés et afin que nous ayons accès à l'éternité. Mais Caïn, quand il a offert les fruits de la terre, il ne s'est pas rappelé de ce que Dieu avait enseigné à ses parents. Et Dieu ainsi n'a pas regardé à son offrande. L'offrande de Caïn représente pour nous et que beaucoup veulent aussi s'approcher de Dieu sans donner de la valeur au sacrifice de Jésus, sans donner la valeur au pouvoir du sang de Jésus. Et Dieu, par sa miséricorde, a donné une opportunité à Caïn de faire une offrande agréable au Seigneur. Mais Caïn n'a pas voulu faire cela. Et qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner avec cette étude? Que même que beaucoup ne donnent pas de la valeur au sang de Jésus versé, nous serons comme Abel. Abel, il a été compté comme un des héros de la foi, des héros de la foi. Le Seigneur a appelé Abel de juste. Par le témoignage qu'il a donné par la foi, Abel a eu cette bénédiction. Et nous aussi, si nous donnons de la valeur au pouvoir du sang de Jésus dans nos vies, et nous prions à Dieu en demandant pardon pour nos péchés, si nous donnons de la valeur au sacrifice que le Seigneur Jésus a fait pour nous à la croix, pour nous donner accès au salut, nous serons aussi victorieux, tel comme Abel l'a été. Et qui nous garantit cela? C'est lui qui nous garantit cela, c'est la parole de Dieu. En Apocalypse est écrit, « Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. » Apocalypse 12, 11. Et nous puissions ainsi recevoir l'enseignement du Seigneur et donner de la valeur chaque jour le pouvoir du sang de Jésus. Crois au sang de Jésus. Car c'est lui qui nous amène à l'éternité. Que le Seigneur nous bénisse avec sa parole. Nous disons au revoir à tous dans la paix du Seigneur.
À chaque édition de la programmation en annonçant l'Évangile éternel, nous nous réjouissons des messages, participation des personnes qui nous regardent dans tout le Brésil et même à l'étranger. Votre audience et participation nous réjouit beaucoup. Interagissez avec nous. Pointez l'appareil photo de votre smartphone vers le QR code qui est à l'écran. Parlez des différents volets de cette programmation. Donnez vos suggestions, vos expériences. Ce sera très bien d'avoir votre opinion. Maintenant, je veux parler à vous qui avez été touchés par le message transmis à travers ce programme. Vous voulez connaître le Seigneur, avoir une expérience réelle avec lui, entendre sa voix. Nous avons un canal direct pour vous répondre. Appelez-nous gratuitement à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit pour ce numéro 0800-707-3076. Ce numéro est exclusif pour répondre au Brésil, à ceux qui ne sont pas encore membres de l'Église chrétienne de Maranatha et ont besoin d'une parole de la part du Seigneur ou d'une prière. Suivez-nous dans l'Instagram et dans Facebook. Accédez au site de l'Église chrétienne de Maranatha et de la radio Manaim. Téléchargez les applications gratuites. Naviguez, connaissez davantage sur nous et nos plateformes numériques. Et vous pouvez encore accompagner notre agenda hebdomadaire publié tous les lundis à travers nos réseaux sociaux. Dans l'application La Rádio Manaim, vous entendez de longe 24 heures par jour. Vous pouvez aussi assister et partager le podcast de messages. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition du programme de l'Église chrétienne de Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. N'oubliez pas, tous les dimanches à 10h du matin, au canal de l'Église chrétienne Maranatha, dans YouTube, vous regardez à l'école biblique dominicale. Vous ne pouvez pas rater cette programmation. Et dans la semaine prochaine, si le Seigneur nous permet, nous serons ensemble encore une fois à cette heure-ci avec une édition de plus du programme de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.